Voilà. Merci au Boy, merci au Boy de la démocratie. Merci au Boy qui dit non, on va faire notre troisième mandat anticonstitutionnel. Président Bona Rivero. Président depuis, il n'a pas parlé, le peuple était entier. Le peuple dit qu'il n'est pas parti au stade Félix Houphouët-Boigny. Le peuple dit qu'on ne m'entend plus. Qu'est-ce qui a déclenché la verse ou bien la liberté et en Côte d'Ivoire, mais la démocratie est respectée en Côte d'Ivoire. Et depuis lors, on est inquiet. Et depuis la loi, c'est ce qui a dit que tu seras là aujourd'hui au ballon. Le peuple dit ouf, on a eu peur, le président est là. On va faire du calme. On va faire du temps pour quitter religieusement ce que le président m'a dit, parce que le discours est très important. Je vais laisser toute la place au président et pour la conférence de presse. Mais avant, je voulais préciser que c'est une conférence de presse, ce sont les journalistes qui vont poser les questions. Après, les propos préliminaires, il y aura deux tours de cinq questions, si possible. Et le président va dire le mot de la fin, et puis on va chauffer ça pour dire non, Ouattara. Il faut qu'il entende que le Boy est ici au baron pour lui dire non. Il faut que partout où il passe à son sommet, il entende que le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus le troisième mandat, ne veut plus de mandat anticonstitutionnel. Enfin, en Afrique, il faut qu'on respecte nos propres lois, il faut qu'on respecte les lois fondamentales, il faut qu'on respecte ce que nous-mêmes, on s'est librement choisi. Merci, président. Merci. Merci tout le monde, merci aux journalistes, merci aux militants de la NACI pour effectuer le déplacement. Faut te présenter. Je suis Légré Michel, président national de la jeunesse de la NACI. Nous sommes là pour la conférence de la NACI parce qu'aujourd'hui la NACI va décider de pouvoir se prononcer sur l'actualité politique. Il était important pour nous de nous prononcer, il était important pour nous de pouvoir donner notre mot sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et sur ce, je vais lire les propos liminaires. Mesdames et Messieurs, l'actualité politique de notre pays, la Côte d'Ivoire, est focalisée sur l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Avec son lot d'incompréhensions sur les préparatifs, les menaces, haute intimidation. Elles disent que nous nous exprimons afin de donner notre point de vue. Car les Ivoiriens ont des soucis à ce niveau. Et nous espérons à ce que notre message va s'adresser et entendre raison. Mesdames et Messieurs les journalistes, merci d'être venu à cette conférence de presse. Nous vous avons convié ce jour pour échanger ensemble sur un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur et pour lesquels nous voulons nous prononcer et donner la position de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie. Il s'agit notamment des questions sur le report des élections présidentielles, de la commission électorale indépendante, du conseil constitutionnel, de l'opposition ivoirienne, des exilés et prisonniers politiques. Concernant le report des élections, à propos des élections présidentielles, la NACI demande son report. Parce que pour nous, il faut que le président Alassane Ouattara fasse en sorte que ce scrutin soit celui de la représentation nationale. Le report aura pour avantage de donner du temps à la Côte d'Ivoire de bien préparer les élections à venir. Au niveau de la commission électorale indépendante, sur ce point, la NACI constate avec l'ensemble de l'opposition ivoirienne que la CEI est déséquilibrée. Car une institution comme celle-là, dite indépendante, ne devrait pas enregistrer en son sein une majorité issue du pouvoir. Or, la CEI, le RATP est majoritaire et représenté. Il est de ce fait juge et parti. On va chauffer ça de très fort. L'autre est juste parti. Ce qui n'est pas normal pour cette structure qui se veut libre et indépendante. On voit donc que si nous partons aux élections avec cette CEI-là, il est clair que le RATP parti au pouvoir aura la victoire sans effort. C'est pourquoi la NACI joue sa voix à celle de l'opposition pour réclamer sa récomposition avant le scrutin du 31 octobre 2020. Au niveau du Conseil constitutionnel, nous dénonçons également la composition actuelle du Conseil constitutionnel. Il est jugé trop proche du pouvoir actuel. Au niveau de l'alliance avec l'opposition ivoirienne, en ce qui concerne l'alliance politique, nous disons que il est bon et même salutaire de marcher ensemble pour être fort.
Mais il faut savoir avec qui marcher et avancer sans que les actes que nous avons posés nous rattrapent. Nous sommes tous dans ce pays et nous avons vu et entendu des gens, des leaders politiques faire campagne et appeler à voter la constitution de 2016. Pendant que nous autres attirons l'attention sur les conséquences de ce qu'ils étaient en train de faire, aujourd'hui, ce sont les mêmes qui crient. La NACIP continuera de tirer la sonnette d'alarme, mais elle se gardera de faire chemin avec ceux qui avaient poussé la conscience. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes sont en train de crier. Nous avons commencé à crier depuis longtemps et continuons de crier toujours parce que nous sommes dans la droite ligne tracée par le président Laurent Gbagbo. Nous sommes les hommes fidèles qui ne changeront pas. Nous sommes pour l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le combat politique de la NACIP s'est toujours inscrit dans la non-violence. Elle n'a cessé, à chaque fois que l'occasion lui est donnée, d'inviter les nouveaux gouvernants à la tolérance, au pardon et à la réconciliation. Au niveau des prisonniers politiques et exilés, sur ce point, la NACIP et son président centrafricain ont toujours milité pour une libération des détenus politiques, militaires et un retour paisible des exilés politiques dont le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Boudé. Au niveau du dialogue politique, en ce qui concerne le dialogue politique, la NACIP estime que la Côte d'Ivoire a eu son temps de guerre. Il est temps maintenant que les acteurs politiques et les gouvernants se parlent. Qu'ils mettent la paix du pays, son développement et les Ivoiriens au centre de la discussion afin de les éviter une seconde guerre. En conclusion, nous souhaitons que le chef de l'État et l'institution du pays acceptent de donner la chance à la Côte d'Ivoire de régler pour de bon ses problèmes et passer tranquillement à la Troisième République. Il faudra donc, pour ce faire, reporter les élections présidentielles, revoir la recomposition de la CEI et le Conseil constitutionnel, ouvrir un dialogue politique, organiser le retour paisible de tous les exilés politiques, libérer tous les prisonniers politiques et militaires. Voilà pour nous, chers invités, les conditions d'une Côte d'Ivoire réconciliée qui peut aller à des élections inclusives, transparentes et crédibles. Je vous remercie. La NACIP est pour le report des élections. La NACIP veut une nouvelle CEI. La NACIP, oui, veut un nouveau conseil constitutionnel. La NACIP veut un dialogue politique clair et net avec des gens qui sont conséquents avec eux-mêmes. Oui, parce qu'il ne faut pas dire quelque chose demain et puis après demain venir se régner. Centrafricain, c'est un président qui a une vision. En 2016, il a dit à ses compagnons de lutte à la constitution de Ouattara, c'est pas une bonne constitution parce qu'il y a un piège dedans. Est-ce qu'il n'a pas raison aujourd'hui? Parce que quand il y a un centrafricain, il faut suivre son regard. Il est toujours en train de regarder loin, il n'est jamais là où il est. Et quand il partait à ce pays, je le disais tantôt, les gens disaient que ça m'avait trahi, il s'en va condamner Gbagbo. Or, pour ceux qui le connaissent, c'est un piège dans ce qu'il fait. Quand il arrive, l'avocat lui, le juge lui demande, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit? Il a dit, j'ai oublié. Mais il y a longtemps, ça fait 4 ans, j'ai oublié. Il a mélangé les plans dans ce pays et puis il est venu. C'est un grand leader, c'est un ami fidèle du président Laurent Gbagbo. Quand il se voit, sans se parler, il se refait. Merci, ça m'a oublié. Merci encore pour ta vision, merci pour ton salut, merci pour ton combat pour la liberté et la démocratie en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons rapidement passer à la première série de questions. Chers confrères, le bar est ouvert, le micro est ouvert. Celui qui veut poser une question directement, je lui tends le micro, s'il présente et il pose sa question. Le président va répondre. On va faire ping-pong. On y va. Massadiela. Ok, mon frère. Président, je suis Prince Bengasso du site d'information Lamine Afrique-Soir. Il y a le président Afrique Gessan qui vient de lancer un appel tout à l'heure. Il invite ses militants
à ne pas participer au processus électoral. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Je le réponds à moi. Bien, merci. Je viens aussi de suivre ça au même titre que vous. Je crois que c'est ce que je viens de dire. Dans cette même salle, je vais déjà demander au gouvernement que de revoir le programme des élections qui doit avoir lieu en 2020. Quand le président Laurent Gbagbo a été acquitté innocent, j'ai demandé au président de la République de faire une délégation avec chef de file, son premier ministre aujourd'hui, ministre Ahmed Bakayoko, de se rendre quand même en Belgique et rencontrer le président Gbagbo pour trouver une solution pour leur retour en Côte d'Ivoire, pour qu'on ait une discussion sérieuse pour aller aux élections. Même si on reporte les élections en 2021, la Côte d'Ivoire ne va pas mourir. Vous voyez, depuis un moment, nous sommes à 15 jours. Mais vous avez les violences, vous avez vu aujourd'hui, presque toutes les villes sont bloquées. C'est-à-dire que les gens ne sont pas contents. Je crois que l'appel de Afi, il est le président de son parti. Il a dit aujourd'hui qu'il lance avec le président Bédié le boycott pour ne pas aller aux élections par tous les moyens. Nous disons toujours que nous restons et nous demandons au gouvernement de reporter les élections et d'ouvrir une discussion franche avec l'opposition. Il faut que le président Laurent Gbagbo, l'ancien premier ministre Soro Guillaume, Charles Blé Goudé et tous les élèves rentrent en Côte d'Ivoire où nous allons s'asseoir sur la même table pour négocier et discuter pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il ne faut pas forcer. Vous voyez, aujourd'hui, nous retournons en 2011. C'est le même scénario, mais ce sont les acteurs qui changent. Ce sont les acteurs qui changent, mais c'est le même scénario. Et ça, il faut éviter. Il faut éviter. Nous, on disait la même chose hier, qu'on n'a pas à apprendre, personne doit nous apprendre quoi faire et on ne prend pas les leçons des gens, tout ça. Nous, on a dit ça en 2011, hein, et on sait ce qui est passé. Pourquoi ça, on ne dit pas les leçons de ça? Et si on reporte les élections là, qui va mourir? Qu'est-ce qui va se passer? C'est mieux de reporter les élections et que tous les filles et les filles de ce pays s'assoient sur la même table et négocier et trouver une solution consensus pour régler et puis gérer les élections. Je crois que c'est la meilleure solution. Moi, je demande toujours et je continue à demander pour les intérêts de la nation, pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, pour aller à la paix, il faut qu'on reporte les élections. Parce que reporter les élections là, ça va tuer qui? Ça va enlever quoi dans qui? Il ne faut pas forcer. On n'est plus à ce stade. On n'est plus à ce stade de forcer. Aujourd'hui, il n'a qu'à se rendre compte que les gens n'ont plus peur de quelqu'un. Donc, il n'a qu'à éviter ça. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est que je demande aussi le report des élections. Pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour aller à la paix, il faut reporter. Il faut que tous les enfants, les filles de ce pays soient mis sur la même table. Que tu dois jouer la finale avec eux. C'est pas possible. Quand tu es fort, tu acceptes tout le monde et puis on va jouer le match. C'est comme ça qu'on fait. Merci. Merci. Après le report de TIPA, bien le contraire, ça sauve la vie. Merci au président. Est mon frère encore ou bien tu veux une deuxième question? Ok. Président, vous parlez de report des élections. Et là, nous voyons que le président Alassane Ouattara est dans une logique d'aller nécessairement à ces élections-là. Est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Vous savez, nous, qui aimons la Côte d'Ivoire, notre pays, nous qui aimons notre pays, nous, on voit le danger qui vient. Vous savez, quand quelqu'un est déjà au pouvoir, il pense qu'après Dieu, c'est lui. Mais c'est des erreurs. Il faut toujours écouter les plus petits dans la vie. Moi, je ne fais que demander pardon. Je ne fais que lui demander pardon pour l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, il peut dire qu'il a la force, il a l'armée, il a tout ce qu'il faut parler aux élections et il va passer sans problème. Mais et après? Est-ce qu'il peut continuer?
été gênant. C'est la question. Pourquoi ne pas reporter, inviter tous les Ivoiriens, permettre au président Laurent Gbagbo, à Sorokyo, à Charles Blégoudé, les exilés, libérer les prisonniers pour tout le monde. Et on va s'asseoir sur la même table pour trouver la solution définitive. Parce qu'il engendre chaque fois les morts et la violence dans le pays. Trouver une solution définitive avec tout le monde et aller aux élections. Tranquille. C'est tout. Si, moi, je le fais que dire. Mais moi, je n'ai pas les moyens de l'empêcher de le faire. Mais moi, je lui parle. Si demain, il fait ce qu'il veut et qu'il y a un problème, moi, je pourrais avoir la force de dire je vais parler. Ça va rester dans l'histoire. Donc, moi, je ne fais que lui dire de reporter pour l'intérêt de la nation. C'est à lui de voir. C'est lui le chef. C'est lui qui sait qu'il n'y a pas de problème. Mais nous, on lui dit de reporter. Parce que tu ne peux pas. Le président Laurent Gbagbo a été accusé de tout. Des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, de tout. Et ils l'ont envoyé à l'étranger pour être jugé. Et là-bas, les gens ont trouvé qu'il n'a rien fait. Mais si moi j'étais. J'ai dit bien, si moi j'étais à sa place, moi j'allais me rendre à manière béguée la fin, aller le saluer et demander pardon. Parce qu'on a fait quand même du mal à Gbagbo. On a humilié, on lui a fait du mal. Mais demander pardon, ça fait quoi? Le pardon, là, c'est pas signe de faiblesse. Le contraire, le pardon, c'est pour les gens forts. Et laisse-les rentrer, mais tu ne veux pas. Tu t'interromps. Ce que je peux dire, c'est de demander pardon de reporter les élections pour l'intérêt de la nation. C'est là que je peux m'arrêter. Merci. Merci au président de la nation. Le président a la parole parce qu'au commencement, il a la parole. Merci. Merci, merci chers amis. Merci à la jeunesse. Merci encore une fois. Ah, mon ami, tu es très envers, mais c'est bien aussi. Alors, président, comme vous faites partie des partis politiques de l'opposition, si vous ne pouvez pas soigner, vous voyez. Mon parti politique, pas mouvement. D'accord. Fait partie des partis politiques de l'opposition. Si oui, pourquoi est-ce qu'on ne vous voit pas tout le temps côté de l'opposition pour vous faire président, moi, je ne vois pas. Merci. C'est vrai, mon parti politique ne fait pas partie du groupe qui est là actuellement, le groupe du parti politique. Il y a des raisons. Vous voyez aujourd'hui, même le président Alassane Ouattara prend l'image du président Laurent Gbagbo pour faire campagne. Quand il dit, c'est pas dans le Mourounou, il a dit, si vous me votez, je vais ramener Laurent Gbagbo. C'est déjà campagne que tu fais. C'est déjà campagne de quelqu'un que tu fais. Ça dit que tu sais que le président Gbagbo est aimé, il est populaire. Sinon, tu n'as pas dit, si vous me votez, je vais le faire vivre. Donc, écrit le nom de Gbagbo. Mambri écrit le nom Gbagbo, tout l'opposition écrit le nom Gbagbo pour faire les... Jeunesse. Tout cela écrit le nom de Gbagbo, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. On ne peut pas me voler cette fenêtre-là. Si le président Gbagbo, qui a aménagé la CPI, qui a tout renversé, qui a donné, qui a innocenté Gbagbo et qui a fait aujourd'hui, tout le monde crie le nom de Gbagbo, c'est ça la fête. Donc, je suis président du parti politique. Moi, je suis actif depuis longtemps. Même quand ils étaient dans l'ARDP, là, moi, j'ai fait prison 11 mois parce que ce qu'ils ont dit. J'ai dit des choses dans cette salle à m'amener en prison. Et ils étaient là. Ils ont applaudi. Moi, j'étais en prison. Mais aujourd'hui, là, ce qui m'a dit, qui m'a amené en prison, c'est ça qu'ils prennent là pour faire la campagne. C'est ça qu'ils prennent là pour chanter maintenant. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai raison hier. Donc, aujourd'hui, quand vous voulez faire alliance de l'opposition, vous convoquez en vous, les amis. Mais c'est lui-même, grâce à celui qui a fait aujourd'hui les choses, ont pris un autre avion. Vous ne le convoquez pas à votre union. Vous ne le convoquez pas à votre alliance. Et puis vous dites qu'il ne parle pas, qu'on ne connaît pas sa position.
peut-être qu'il allait au restaurant. Moi, je veux pas aller dans un restaurant où aujourd'hui les gens mangent et puis ils sont tirés. Je le fais là-bas. Donc, il n'a qu'à se tranquilliser. Moi, je suis Laurent Gbagbo hier. Je suis Laurent Gbagbo aujourd'hui. Je suis Laurent Gbagbo aujourd'hui. Chérie, c'est la réalité, n'est-ce pas? C'est son état.
Et donc, c'est lui qui a préparé le terrain, c'est lui qui a mis les bâches pour que nous fassions le meeting et nous avons dormi à la cour. C'est le seul témoignage que je voulais faire. Sam l'Africain, c'est un homme fidèle à la Côte d'Ivoire, donc fidèle au président Gbagbo, parce que le président Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Julien. La jeunesse, merci de célébrer le président pour sa vision. Mon frère Abdel Zaté. Monsieur Zaté. Bonjour, président. Dans une vidéo postée en mai 2019, le président Centrafricain affirmait « Si Gbagbo s'allie à Béthier, je vis au RHDP. » Président Centrafricain, un commentaire sur vos propos de mai 2019. « Si Gbagbo s'allie à Béthier, je vis au RHDP. » Président, tu peux aller au restaurant un peu. Merci. C'est ici, dans cette salle-là, que j'ai dit, et je crois aussi sur moi au bureau, au siège, n'est-ce pas? Vous savez, les journalistes prennent toujours le mot qui les intéresse pour attaquer l'homme. Comme la manière Béthier avait parlé de rivalité, les gens ont pris ça pour dire tout. Moi, j'ai bien dit, et je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, au lieu que Béthier envoie des délégations derrière Gbagbo, c'est avec Gbagbo. Lui-même qui était le. C'est lui seul qui en fait partie de Gbagbo. Il n'a qu'à se rendre à l'aise avec Gbagbo s'il est sincère. Sinon, moi, si Gbagbo fait alliance à Bébé, je vais aller au RDP parce que je ne suis pas content. Parce que c'est pas à la salle d'envoyer Gbagbo là-bas. On peut les citer. Et ça, tout le monde le connaît. C'est à la salle, c'est Bébé, c'est Sorobion, c'est Kikawe, c'est tous. C'est le président du Sénat aujourd'hui qui a fui, qui a quitté le pays. C'est tous. Donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui nos camarades Gop, ils font alliance avec eux pour qu'ils vont chasser à la salle. Moi, je trouve que c'est immoral cette politique-là. Moi, je ne fais pas cette politique comme ça. C'est pour ça que vous ne voyez pas avec eux. Mais je vous dis aussi, Gbagbo n'a pas dit, et jusqu'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont ici qui vous disent, mais Gbagbo n'a jamais dit, il fait alliance à la FPD. Donc, pour le moment, j'attends. J'attends que Gbagbo lui-même dit, je fais alliance à la FPD. Mais il n'a pas dit, donc pourquoi les gens sont pressés? Ou bien parce que vous voyez les collègues à Baka, M. Adou, Assou, Mme Gbagbo, tout ça, ils sont ensemble. Mais ce n'est pas la même chose. Ils sont ensemble pour faire un travail, pour sauver la Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas en alliance. Est-ce que vous avez vu un document où ils ont signé son alliance? Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu? Vous l'avez vu? Donc moi je pense que pour le moment là, ils sont en train de faire travail pour la nation, mais ils ne sont pas en alliance. Il a dit si, il fait alliance. Mais il n'a qu'à faire d'abord. Il n'a pas encore fait. Donc pour le moment là, je regarde. Donc ne vous inquiétez pas. Papa n'a pas encore fait alliance à l'habité. Mais ils travaillent ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en alliance. Moi je dis s'il fait alliance. Mais je n'ai pas dit s'ils travaillent ensemble. Il aussi fait alliance, mais il n'a pas encore fait alliance, il n'a rien dit. Je vous retourne quelque chose. Aujourd'hui, vous voyez, à fin de ça, qui est quand même plein pays, qui a quand même aussi été là, on a bombardé, on a pris en avant en prison. Mais ses camarades de lui refusent de s'asseoir sur la même table que lui pour discuter. Mais pourtant, ceux même qui ont pris les armes, qui ont été là, les bureaux qui nous ont bombardé, ils sont assis ensemble. Vous appelez ça comment? Vous appelez ça comment? Voilà, c'est plus que sorcellerie même. C'est plus que sorcellerie. Parce que je ne peux pas comprendre que mon frère et moi on est ensemble. Et demain il y a eu un petit problème. Tu m'accuses de tout. Maintenant, l'homme même qui est venu nous découper, qui est venu casser la famille, qui a partagé la famille, qui a divisé tout le monde. Et puis tu t'assois avec lui. Vous discutez. Et puis tu dis moi, je ne m'assois pas avec vous. Moi, je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça. Voilà. De façon, moi j'attends Laurent Gbagbo. Hein. J'attends Laurent, j'attends mon leader. J'attends. Et il va venir. Il va venir. Il va venir. Assurance du président centrafricain. Mais mon frère, tu veux poser une question? Bonjour président. Je suis Gala Kolebi. Je vous ai écouté.
avez dit tout à l'heure qu'ils sont tous ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire, qu'ils sont ensemble pour faire un travail pour la nation. Et vous, vous ne voulez pas être avec eux. Vous ne voulez pas aussi sauver la nation, ou encore vous voulez sauver seul la nation. Et comment vous allez y arriver seul? Monsieur le Président. Merci beaucoup. Moi, je suis au travail déjà. Hein, et il y a très longtemps que je suis au travail. C'est vrai que je ne suis pas avec eux, peut-être pour des raisons personnelles. Mais je suis de tout cœur avec eux, je suis de tout cœur dans le travail. Mais je travaille aussi. Je travaille en bas. Ils le savent. Et nous tous, on sait. Mais j'attends qu'eux-mêmes, volontairement, m'invitent à une de leurs réunions. Là, on pourrait discuter franchement. Mais pour le moment, comme ils m'ignorent, je les ignore et on avance. Je peux sauver la Côte d'Ivoire seul. Je peux. Moïse a sauvé les Juifs. N'est-ce pas? Il était seul. On peut sauver. Je suis en train de travailler. Je travaille. Donc je peux sauver la Côte d'Ivoire. Mais je vais la sauver pacifiquement, dans la non-violence. C'est comme ça. Merci, cher mon frère. Merci, Président. Je suis Mimi Wali. Et tout à l'heure... C'est toi, Wali. Mimi Wali. C'est moi. Et lors de la signature de la plateforme, des accords de la plateforme, le Premier ministre Afin Guessant n'était pas invité. Mais pour sauver la Côte d'Ivoire, il a pris rendez-vous avec le président Bédi. Aujourd'hui, toute l'opposition est ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas faire comme Afin Guessant? Merci. Merci. Ce que vous venez de dire est tellement juste, mais je voudrais vous assurer que le président Afin et moi, on se parle. Il n'y a même pas longtemps où nous sommes vus. On s'est vus, on a besoin de parler du pays. Et je crois qu'après cette conférence, Je vais les rencontrer tous ceux qui veulent bien me recevoir. Que ça soit Bédé, Afin, le groupe du PS, le projet, tout ça, il n'y a pas de problème. Je vais les rencontrer tous. On va discuter. Parce que si aujourd'hui, comme je le dis, on crie fort, beau et fort, Babo et Charles de Goudé, le papa même est assis dans ses mains. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils vont oublier ça. Moi, je les interpelle. C'est important. On va discuter. On va trouver une solution. Merci. Merci, Président. Je suis un certain Coco Vajab Média. Monsieur le Président, vous disiez tout à l'heure que vous êtes un homme de vérité. Et pourquoi ne le pas nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons fait que vous ne voulez pas vous... Alina, eux. Voilà, vous ne pouvez pas être ensemble pour que vraiment la vérité soit que la Côte d'Ivoire soit vraiment réconciliée. Président. Oui. Moi, j'ai un problème avec eux. Nous sommes aujourd'hui à trouver des solutions pour la Côte d'Ivoire. Mais ils ne m'ont pas invité. S'ils m'avaient invité et que je ne suis pas parti, on peut dire qu'il y a un problème avec eux. Ils ne m'ont pas invité. J'attends que si la prochaine réunion où ils doivent se rencontrer, s'ils pensent que moi je peux apporter un plus à ce combat-là, je suis mon invité, moi je vais partir. Ils les écoutent, ils peuvent discuter. Mais pour moi, ils ne m'ont pas invité. Je ne peux pas me lever comme ça pour partir. Non, je ne fais pas. Ok, pourquoi on ne t'a pas invité, tu ne vas pas. Ok, on va prendre quelques préoccupations. Ah, c'était où? Mais il veut reprendre, hein. Il faut lui donner. Non, l'autre là, il veut. Vas-y, je t'écoute. Non, laissez. Président, ouais. Je dis. Que je dis la vérité. Qu'est-ce que les autres ont fait? Vous ne pouvez pas être ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Non, je vais te donner. Moi, je vais te donner. Ce qu'ils ont fait là, ce sont associés pour créer le blanc pour les Ivoiriens. Voilà. D'accord. C'est fini. C'est ça que tu veux, non? Je te donne. Et ça, c'est caché. Tu ne pas cacher tout le monde ici. Ok, Afrique Média. Mathias Zakam, Afrique Média. Monsieur le Président, la campagne électorale a commencé depuis il y a minuit.
Quel est votre message clair aux Ivoiriens? Présente votre message par rapport à l'ouverture de la campagne. Mon message. Ils ont lancé l'ouverture de campagne, ils font la campagne. Ils veulent passer par force. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est dit, moi, qui me concerne, qui concerne mes militants, je leur demande de rester à la maison. C'est tout. C'est tout. C'est mon message. Je ne vais pas demander à quelqu'un d'aller brûler ou d'aller faire la norme. J'ai dit, on reste à la maison. Moi, je ne bougerai pas pour aller voter. C'est tout. Voilà. Claire, cher mon frère, tu as une question? Vous avez dit que vous attendez qu'on vous invite. On ne vous a pas invité, donc vous ne vous sentez pas concerné par le bloc sacré de l'opposition. Je voulais savoir, votre maison est en feu et vous voulez qu'on vous appelle avant de venir éteindre le feu. Alors, dans ce cas, maintenant, est-ce que vous pouvez leur lancer un appel pour qu'ils vous invitent, puisque vous voulez être invité? Merci. Merci, merci beaucoup. J'attends qu'ils m'invitent. Je parlais d'invitez-moi. J'ai parlé, ils ont compris. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sou. J'attends qu'ils m'invitent. Merci. Ok. Une avant-dernière préoccupation. Merci, Président. Et je reviens encore sur ma préoccupation. Et parce que là, je n'ai pas encore de réponse. Et nous voulons sauver la Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez dit. Ceux qui vous ont attaqué hier, c'est-à-dire le pouvoir du Boulogne Gbagbo, et aujourd'hui, donne raison au président Laurent Gbagbo. Et ils viennent même à la table des négociations. Ils disent que c'est vous qui avez raison. Maintenant, ils veulent marcher avec vous. Ils veulent marcher avec vous pour sauver la Côte d'Ivoire. Et le président centrafricain, lui, refuse de marcher avec vous. Frère, je n'ai jamais refusé de marcher avec l'opposition. Je n'ai jamais refusé de marcher avec quelqu'un. J'ai dit, quand ils vont faire leur réunion, qu'ils m'invitent. Tu verras que si je suis là ou pas. Voilà. Moi, le président Afi a eu le respect de m'inviter, de m'appeler et de discuter avec moi par rapport à cette plateforme. Le président Afi a du respect pour moi. Il a de la compréhension pour moi. Malgré qu'il y ait eu des petites étoiles entre les mains, juste par rapport à certaines choses qu'il a dit au président Laurent Gbagbo que je n'ai pas aimé. C'est tout ce que le président Afi et moi, on n'a pas parlé à rien. Il m'a appelé, on a discuté. Il m'a même parlé. Il m'a dit, et ça je vous le dis, il m'a dit, mais ça, celui qu'on a commencé ensemble, on est arrivé, on est presque arrivé au bout, tu ne peux pas te retirer. Il faut nous rejoindre. Je lui ai dit ce que je pensais. Donc j'attends qu'on m'invite. Je vous ai dit d'ici, je vais les rencontrer tous. Je vais demander mes services de protocole. Vont aller prendre rendez-vous. J'ai dit, bien sûr qu'il veut me recevoir, qu'on me recevoir. Même le premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, j'ai demandé un rendez-vous, j'attends qu'il accepte. Il va me recevoir, on verra. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller à un apaisement. Les Ivoiriens, depuis plus de 30 ans, les Ivoiriens meurent. Ils sont dans la souffrance. Il faut qu'on mette fin à ça. Merci. Merci. Je tiens à rappeler que la conférence de presse du président Sam Africain est suivie en direct par Internet et il y a des internautes qui veulent intervenir, qui veulent poser quelques questions au président. Office. Bonsoir, président. Bon, sur la page de la NACI, il y a un de vos fans qui demande si vous avez déjà vu un président qui ne change pas de position, même qu'on lui demande pardon. Si vous passez par le pardon et qu'il ne change pas de position, quels moyens allez-vous utiliser pour arriver à sa place? Merci. Toujours le pardon. Toujours le pardon. En fin de compte, il va céder un jour. On continue de même pardon. Merci. Merci. Chers confrères, s'il n'y a pas de préoccupation, on va rappeler que la NACIF est venue aujourd'hui nous entretenir sur la question du report des élections et la NACIF demande au président Ouattara de reporter. Soit revu, que la série soit revue, que le dialogue politique soit revu aussi. Bah, il faut savoir avec qui tu marches et savoir où tu vas et celui avec qui tu marches. C'est important. Je pense que le message est clair. La NACI demande à ses militants de ne pas participer à la campagne, de laisser choses tranquilles à la maison et d'observer. Le président africain est en train de réfléchir. Il va rentrer au laboratoire, il va sortir quelque chose pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée, pour
que la démocratie soit sauvée, pour que la liberté soit sauvée en Côte d'Ivoire. Il a dit tantôt, c'est lui qui a mélangé les plans à ce pays, c'est lui qui a mélangé les plans à ce pays. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est au centre du débat, c'est grâce à la NACIP, c'est grâce à la vision du président. Voilà pourquoi nous disons tantôt que cette conférence est historique. Elle est là, retentissante, parce que quand ensemble, l'Africain parle, les lignes bougent, les choses bougent, tout va bouger et vous allez savoir. Pour l'instant, je vais laisser le mot de fin au président. Il va vous dire le dernier mot et on va se quitter dans une belle ambiance démocratique. D'accord, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire merci à mes papas, à tous les chefs qui sont là. Merci à tous les journalistes. Merci à tous les membres de la NACIP, aux filles de la NACIP, aux mamans qui sont là. Et je voudrais aussi profiter de dire merci aux Ivoiriens qui se mobilisent tout le jour et donc qui sont mobilisés pour aller au terrain pacifiquement. Ils ont démontré aux yeux du monde que eux, ils sont pacifiques. Ils font des marches pacifiques. Ils ne sont pas dans la violence. Ils attrapent des gens avec des armes, avec des machettes, des couteaux. Ils les remettent à la police. Donc je dis merci à cette jeunesse, je dis merci à ces Ivoiriens qui sont pacifiques et qui font les choses de manière pacifique. En tout cas, je leur dis le chapeau et je les félicite pour ce qu'ils ont fait au terrain. Je leur dis merci beaucoup et je vous dis tous merci. Chers camarades journalistes, merci à vous et je pense que vous allez transmettre le message sincèrement, ce message de paix et de fraternité pour que nous vivons ensemble. Merci beaucoup. Merci au président. On va permettre au président.